Bonjour à tous, donc on va expliquer bien sûr comment calculer on appelle une pente, donc la pente. Donc pour calculer la pente de ce terrain pour brancher, on appelle l'assainissement de regard R1 ou A ou B, donc pour brancher un bâtiment avec regard de réseau. Donc on va demander le calcul de, on appelle la pente. Donc bien sûr il y a, on appelle les données, donc pour implanter une pente de A vers B, donc il y a, on appelle regard A et vers le regard B. Donc il y a une distance entre A et B, bien sûr. Donc on va demander calculer le pourcentage de cette pente, calculer les altitudes ou les luxures sur terrain de projet. Donc sur terrain de projet, aussi là on va calculer, on appelle les altitudes sur terrain de projet et dessiner un croquis de cette pente. Donc les données bien sûr, et bien on appelle les distances entre 1, donc il y a plusieurs points entre A et B, bien sûr par exemple on va dessiner un petit croquis, donc bien sûr il y a, on appelle A vers B, bien sûr il y a, on appelle plusieurs points, donc on va créer, on appelle les points P1 et P2 et P3 et P4. Voilà, donc il y a la distance, on appelle la distance AB, c'est combien la distance A et P1, c'est 8 mètres. La distance de 10 mètres, la distance c'est 12 mètres, et la distance là c'est 13 mètres, et la distance de l'autre côté c'est 7 mètres. Donc, on va expliquer bien sûr comment dessiner ou calculer la pente là. Bien, donc d'abord on va calculer, on appelle le pourcentage de cette pente. Il y a bien sûr, on va écrire, on appelle le croquis.